Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tous et bienvenue. Merci d'être là pour ce sixième rendez-vous de Agora Chita Palais sous droit monde. Agora Chita Palais sous droit monde, cette initiative soutenue par l'Union européenne qui fait des journées internationales, notamment sur les droits humains, des occasions pour parler droits humains en Haïti. On est le 3 mai, on est sur la journée internationale de la presse. La situation de la presse en Haïti, les avancées, on va tout voir avec nos invités ce matin. Nos invités, comme d'habitude, ils sont nombreux, le ministre de la Culture et de la Communication, une représentante de l'Union européenne, le journaliste et propriétaire de médias Godson Pierre, mais aussi le président de la NMH, Jacques Semper, sont nos invités ce matin. Vous connaissez le format d'ailleurs. On va essayer de faire tourner la table pour parler droit monde et liberté de la presse. On a vu des avancées. Des lois ont été votées pour garantir la liberté de la presse en Haïti. Mais n'empêche qu'il y a encore des menaces, qu'il y a encore des situations difficiles, des journalistes qui sont menacés, notamment en matière de sécurité, manque de moyens, manque de soutien de la part des institutions. On va voir tout ça avec nous aujourd'hui, ce 3 mai. Monsieur le ministre, nous sommes contents de vous avoir. Merci d'être là. Madame Marvelise Roy, qui est de la délégation de l'Union européenne, merci d'être là. Je vais commencer avec vous. On parle de liberté de la presse, on est 3 mai. Pour l'Union européenne, qu'est-ce que représente ce jour ? Qui représente ce jour? Bonjour, merci beaucoup Luckner. Et oui, j'aimerais bien dire que pour l'Union européenne, c'est très important la liberté de la presse, car un des rôles de l'Union européenne ici en Haïti, c'est aider à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Donc nous considérons qu'il ne peut pas avoir une démocratie s'il n'existe pas cette liberté de presse. Donc c'est un droit pour nous fondamental et c'est pour ça que c'est très important pour nous de fêter et de célébrer cette journée internationale avec vous aujourd'hui. Merci. Mmh. On est content de vous avoir aussi. Maintenant on parle de liberté de la presse, c'est droits humains d'ailleurs, c'est l'occasion même de cette émission. Et la place des droits humains dans votre agenda à l'Union européenne, c'est quoi? Bon, écoutez, les médias sont très importants dans la diffusion et la promotion des droits de l'homme, des droits humains. Et nous considérons que surtout les journalistes ont une responsabilité fondamentale et dans la diffusion de leurs messages et dans les reportages, et surtout pour l'inclusion de ces droits et la défense de ces droits dans leurs messages qu'ils vont transmettre à la population. Et aussi, de l'autre côté, c'est très important parce qu'en tant qu'acteurs de changement, ils ont une responsabilité dans la véracité de l'information qui transmettre au public. Mm-hmm. Donc nous considérons que et c'est leur rôle fondamental, par exemple, c'est de dénoncer des cas de violations et de la prévention aussi des violations de ces droits, ainsi que privilégier une approche basée sur le droit chaque fois qu'ils vont transmettre les informations au public, c'est-à-dire de faire en sorte que et la non-discrimination soit promue, et l'égalité des chances. Et donc le rôle est vraiment c'est essentiel dans l'information au public. Donc supporter la presse, c'est dans l'objectif qu'elle puisse continuer à faire ce travail de promotion des droits humains. Donc c'est surtout ça votre engagement. Tout à fait. Et c'est aussi, ils ont un engagement, mais ils ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les standards éthiques et ils doivent aussi respecter la privacité des témoins, des personnes qui ont été mises en cause. Et donc, c'est fondamental qu'ils puissent respecter ces standards éthiques. Pour nous, c'est très important. D'ailleurs, dans nos actions, nous soutenons la presse et nous soutenons les actions des médias.
Et je vous donne un exemple. Maintenant, on a un appel à proposition et qui est un appel qui vise à augmenter la participation des citoyens dans les processus électoraux. Et c'est fondamental le rôle de la presse dans ces processus électoraux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la responsabilité d'un côté d'information au public de quels sont les enjeux des processus électoraux. D'un côté, de l'autre côté, la surveillance, une fois que le processus a commencé, la surveillance de la transparence qui, conjointement avec la société civile, vont jouer un rôle fondamental dans les processus électoraux. Ah. Donc c'est pour ça que dans cet appel à proposition, nous espérons avoir des propositions de, justement des médias pour soutenir cette information qui va être transmise au public. Félix Roy, c'est de la délégation de l'Union européenne. Je vais me tourner vers le ministre. À présent, ministre de la Culture et de la Communication, Bradel Henriques, vous êtes là. Eh bien, laissez-moi profiter de l'occasion pour vous poser la question, puisque vous êtes ministre de la Communication et de la Culture. Aujourd'hui, on va plus parler communication que de culture. Communication, c'est pour communiquer autour des projets du gouvernement ou c'est communication large? Quel est donc le rôle du ministère par rapport à la presse, monsieur le ministre? Eh bien, bonjour, merci Luc Tergao. Et bonjour aussi, bonjour Madame Roy. Bonjour. J'espère avoir bien prononcé le nom. Le ministère de la Culture et de la Communication, comme vous l'avez si bien dit, c'est un ministère qui se charge de deux secteurs, de deux sous-secteurs. D'abord le secteur de la culture, donc les différents sous-secteurs de la culture, on les connaît classiquement. Les philosophes ont établi, au niveau du ministère, on n'a pas le choix. C'est des standards internationaux, les arts plastiques, le patrimoine, le livre, la lecture, etc. Donc il y en a au moins sept, mais il y en a plus que ça. Il y a les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, etc. etc. Donc c'est vraiment un secteur extrêmement riche. C'est les institutions, c'est les artistes aussi, c'est les conditions de professionnels, les artistes. Mais la communication, pour nous, c'est la communication sur la culture. Hein. C'est ce qui a été, malheureusement, pendant ces 25 dernières années, une priorité du ministère de la Culture, de communiquer sur l'art, sur la culture. Notez qu'il y a aussi une communication avec la presse traditionnelle, hein, communication avec les médias, et puis il y a une communication sur l'action gouvernementale. Okay. Quand je suis installé le 11 mars 2020, j'ai prononcé mon discours et il était focus, il était porté beaucoup plus sur la culture. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, à un moment de la durée, 8 jours plus tard, on a eu le fameux Covid-19. On dit le Covid, on dit la Covid. Donc, c'est un combat sur la grammaire. Mais que nous, on a essayé quand même de résoudre avec la communication, justement. Et on a mis la communication. On a remplacé le plan que j'avais pour la culture. On l'a remplacé par un plan de communication qui était, et justement, je profite pour remercier notre ami Jacques Semper qui est là. Et parce que, justement, en parlant de droit à l'information, en parlant de droit tout court, nous avons fait et exercé ce droit à l'information pour protéger la population dans le domaine de la santé. Hein? C'est-à-dire que là, on a mis vraiment le paquet sur l'information, la communication, mais liée à la maladie, à la pandémie qui menace encore le monde. Et vous avez bien remarqué les résultats que ça a donné quand on fait une bonne communication sur un domaine comme la santé qui était fragile à l'époque. Mais maintenant, M. le ministre, par rapport à la presse, votre ministère a quoi? Un droit de regard, je ne parle pas de régulation, et la collaboration, c'est quoi? On a, pour le moment, je peux dire qu'on a une très bonne... Alors, laissez-moi attirer votre attention sur le fait que ce gouvernement, le président, en particulier le président Jovenel Moïse, dans tous les conseils des ministres, on en est à notre 77e maintenant, et mentionne le mot communication. C'est son dada, hein, le mot communication. Et à un moment donné, c'est presque religieux, si on ne communique pas, les pierres parleront, c'est biblique ça. Donc il nous faut communiquer en permanence. Or moi c'est l'inverse, je me considère beaucoup plus, et là je profite pour le dire même au conseil, pour le redire comme je l'avais dit une fois au conseil du gouvernement qui était présidé à l'époque par Joseph Jout, je n'aime pas être trop un ministre de la communication, je préfère un ministre de l'écoute. Parce que pour moi la meilleure communication est celle où l'on écoute d'abord. Et c'est pour ça que je ne parle pas
beaucoup, je ne m'exhibe pas beaucoup dans la presse, etc. Je préfère parler quand je comprends. Si je ne comprends pas, je ne parle pas. Ainsi, par rapport à la presse, je peux vous dire que pendant ces 12 derniers mois, nous avons établi avec la presse un rapport positif, déjà, sur la maladie. Hein? Et je profite pour dire merci à la presse que le ministère de la Santé publique a honoré d'ailleurs récemment, l'occasion du Jour mondial de la santé, parce que la presse nous a beaucoup aidé, a permis justement cette pandémie. Mais maintenant, en termes d'accompagnement, si pour le bon fonctionnement de la presse, pour garantir la sécurité des journalistes, ou pour veiller sur la programmation de la presse, est-ce que c'est votre travail au niveau du ministère? Ça, c'est une question intéressante. Et j'y réfléchissais récemment. Vous savez, je vais vous dire un peu le contexte de la presse chez nous, vous allez comprendre. Il ne faut jamais oublier que chez nous, la presse est très sensible à son pouvoir. On parle de trois pouvoirs. Hein. La théorie de Montesquieu est claire. La théorie des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et puis quelqu'un, à un moment donné, ajoute un quatrième pouvoir, donc la presse. Moi, je crois fermement que la presse est un pouvoir. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, c'est un pouvoir historique. Au sens où il y a une histoire de la presse qui forme, qui informe, et qui forme ou qui informe sur les trois autres pouvoirs, et donc qui nous aide à comprendre le fonctionnement du législatif, le fonctionnement de l'exécutif et le fonctionnement du judiciaire. Mais c'est aussi, à mon sens, un pouvoir, c'est ce qui construit, c'est ce qui vous construit, c'est ce qui me construit. Quand toute ma vie j'ai écouté Jean-Dominique à un moment donné, c'est ce qui fait de moi ce que je suis, que j'ai écouté Jacques Semper. Et à l'époque où il y avait les fameux libres tribunes, hein, tu vois, c'était la liberté d'expression, c'était déjà une ouverture du micro à tout le monde, à n'importe qui, mais aussi le sens des responsabilités, ne pas dire n'importe quoi, même dans une émission improvisée, où on est anonyme pour intervenir. Donc en ce sens, c'est... Il ne faut pas oublier non plus que le départ des Duvalier, la presse actuelle en Haïti est accrochée, presque traumatisée par... le régime des Duvalier. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand vous parlez d'ailleurs de loi sur la presse, je me souviens d'un débat qui a été organisé, c'est peut-être par l'UNESCO, c'était à la Focale, j'étais là, Liliane, Pierre-Paul et moi, on ne s'entendait pas, c'était très clair et j'ai compris. Je parlais moi de loi sur la presse, elle ne voulait pas de loi sur la presse, elle n'aime pas le mot loi sur la presse. Vous nous dites là que c'est difficile pour votre ministère de penser à veiller sur... Aujourd'hui, nous sommes un ministère... on établit un rapport avec une presse qui est accrochée à son pouvoir, mais qui a aussi la peur de ce qui s'est passé il y a de cela 35 ans, et de ce qui peut encore se produire aujourd'hui avec n'importe quel pouvoir. Et ce n'est pas sans raison que vous entendez le mot dictature, le mot... Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la presse a joué un rôle dans la chute des Duvalier et dans aussi la chute des militaires après Duvalier. Une situation qui risque de compliquer votre travail. Et donc aujourd'hui, je me demande souvent... Moi, je ne regarde pas du lieu du ministre. Hein. Il ne faut pas oublier que j'étais patron de presse. Ouais. J'étais 10 ans directeur de télévision. 2 ans directeur de télévision privée et presque 7 ans à la télévision d'État. Et 6 ans à la radio nationale. Et je suis près de 30 ans dans la presse écrite. La presse a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et je vais même plus loin. Toute la crise que nous avons aujourd'hui en matière de droit de la presse, une bonne partie... relève aussi des conditions de travail de la presse aujourd'hui. Évidemment, on pourra toujours approfondir parce que vous allez rester avec nous, mais je vais libérer Mme Roy avec cette dernière question. Globalement, quelle est votre lecture de la situation en Haïti en matière de liberté de presse? Écoutez, l'Union européenne a déclaré son inquiétude, sa préoccupation et... pour des cas d'intimidation, je parle au niveau mondial, malheureusement, ces cas aussi sont en train de se produire en Haïti, bien que je peux de l'autre côté signaler que la liberté de presse et l'information n'est pas un problème en soi-même en Haïti. Je pense que ça fait partie des acquis que nous avons eus de la démocratie. Donc exactement, ce n'est pas un problème en Haïti, mais justement, dernièrement, il y a eu quelques manifestations un peu à l'égard des journalistes pour lesquels l'Union européenne reste un peu inquiète. Néanmoins, bon, nous, on continue à soutenir la société civile dans ce processus démocratique.
dans le respect des droits fondamentaux, et je pense que le droit aussi à expression, la liberté d'expression, ça fait partie de ces droits fondamentaux, de ces droits importants à soutenir en Haïti. On soutient la société civile, évidemment, on soutient aussi le gouvernement dans son, intention. Et voilà, c'est ce que nous pensons au niveau de l'Union européenne. Voilà, donc c'est suite à cette réponse que je vais vous libérer, Madame Marvelise Roa. Merci d'avoir été avec nous. Vous le savez, c'est pratiquement la chaise musicale. On va avoir Jacques Semper dans quelques instants. La journée de la presse, c'est ce 3 mai. Haïti qui est classé 83e en 2020 dans ce rapport sur la liberté de la presse, alors qu'il était 62 en 2019, qui a perdu quand même des places, des points. Et c'est dans ce contexte qu'on réfléchit avec le ministre de la Communication, Jacques Semper, propriétaire de médias et président de la NMH qui nous a rejoint. Jacques Semper, bonjour, content de vous avoir. Vous êtes président de la plus ancienne association de patrons de médias, si je peux le dire, à NMH. Et aujourd'hui, on parle de liberté de la presse en 2021. C'est un combat. Et je voulais vous demander, comment vous vivez l'évolution de la presse? Comment pouvez-vous nous présenter l'évolution de la presse jusqu'à aujourd'hui en 2021? Eh bien, je salue les instances qui nous ont permis d'être là pour ce 3 mai, à l'occasion de la Journée internationale de la presse, de la liberté de la presse, de l'Union européenne à Agora. Et bonjour, Lechner. Eh bien, si nous devons parler de l'évolution de la presse, de cette dynamique qui existe dans la presse, eh bien, l'histoire serait très 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 longue. Oui. Vous voyez, si on fait un flashback, on devait voir les médias qui existaient, la radio, pas tellement la télévision, mais les éditions nouvelles et des journaux qui existaient, et tout ça, et les contenus d'hier, eh bien, on ferait toute une journée à en parler. C'était très certainement un aspect rudimentaire, c'est-à-dire que le balbutiement de la presse en Haïti, et la façon dont on travaille à les radios, la façon dont on imprimait les journaux, des choses comme ça. Mais cependant, il y avait du contenu. Et quand, je suis sur plusieurs générations, et quand je lis les articles d'antan, et quand j'entends les voix d'antan, tout cela, je dis, malgré tout, il y avait quand même un respect. Respect de l'autre qui écoutait. Vous savez, et quand je dis que je suis à cheval sur plusieurs générations, je suis de cette génération qui savait, et on ne dit pas n'importe quoi à la presse, à la radio, et même quand on devait être fâché, même quand on devait élever le ton, mais il y avait quand même des choses qu'on ne disait pas, qui ne passaient pas. Et aujourd'hui, je suis un palier, nous trouvons que les choses sont différentes. Et même, alors, on a régressé, il y a eu des progrès. Comment vous présenterez la situation? Oui et non. Et progrès, parce qu'au fait, le tri des nouvelles et le tri de l'information est devenu beaucoup plus facile, parce qu'au fait, avant, il y avait le télédiol, on peut le dire comme ça. Et c'est-à-dire qu'on se basait sur les rumeurs pour informer et pour aller chercher, en fait, la vérité. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Et ce qui arrange un petit peu les choses, parce que les informations viennent directement vers nous autres. Mais avec le danger, il faut quand même vérifier, parce qu'en fait, on dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous voyez tout ça. Et le média traditionnel, le média régulier, doit pouvoir garder son sérieux, garder son poids, en informant ce qui est vrai, en disant ce qui est vrai. Vous voyez tout ça. Moi, j'ai connu la radio et la dynamique de la radio est dans un sens didactique. C'est-à-dire que celui qui parlait, le titulaire du microphone, parlait, et les gens apprenaient en écoutant un speaker fait de la radio. Naturellement, l'espèce n'est pas tout à fait disparue, parce qu'en fait, moi, je t'entends à la radio, j'entends d'autres personnes, d'autres qui sont très intéressants. Mais je vous dis que il y a des dérives, il y a un déclin. Au côté du progrès, il y a un déclin du contenu. Il y a un manque de contenu, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de sens de responsabilité dans les informations, surtout sur les réseaux sociaux.
On a le ministre qui est avec nous. Là, je vais vous poser une question justement qui pourra interpeller le ministre. On est sur la liberté de la presse. Vous avez besoin de moyens pour fonctionner. Quand je parle de moyens, je parle de sécurité, par exemple, pour les journalistes de faire leur travail. Et comment vous voyez aujourd'hui, mais dans le temps aussi, comment ça a été en termes d'accompagnement? Est-ce que vous avez toujours eu les conditions adéquates pour fonctionner? Non. Et hier, c'était la dictature, on ne pouvait pas informer, on ne pouvait même pas dire abat-jour. Et il fallait quand même, si on devait dire abat-jour, parler très vite, parce que le mot abat était pratiquement proscrit. Il y avait tout ça. Mais cependant, il y a une chose qui est arrivée, et on savait qu'on était dans la dictature. Et les gens s'arrangeaient pour dire les choses, pour faire les choses. Mais et aujourd'hui, et parler de liberté de la presse, il y a beaucoup de points d'interrogation. Parce que les conditions, naturellement, ne sont pas réunies. Nous avons ce qu'on appelle une insécurité multicéphale. C'est-à-dire une insécurité sans chapeau, mais qui est présente et qui s'attaque à n'importe qui. Vous voyez, et tout cela. Et c'est dangereux. Nous sommes des héros. La génération qui vient aujourd'hui, je parle de la génération de journalistes sérieux, cette génération est une génération de héros. Parce que cette génération a vu ce qui est arrivé à Jean-Dominique, ce qui est arrivé à Jacques Semper, ce qui est arrivé à Diane Pierre-Paul, l'exil et tout le reste. Et cette génération continue. D'où nous pouvons dire que le côté positif, c'est que et la relève est assurée. Mais aujourd'hui, nous vous disons que, et j'ai entendu le ministre parler de la loi sur la presse. Nous avons toujours été contre une loi sur la presse, et il le sait. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que et nous évitons des éléments qui pourraient nous gêner dans les informations, tout le reste. Mais on a besoin de code d'éthique, on a besoin de code de déontologie. Vous voyez tout ça, parce que ce qui se fait dans la presse aujourd'hui, et vous savez, ça dégrade un petit peu le métier quand on sait fort bien qu'il y a des choses, qui passent très mal. Très bien. Merci, M. Semper. Je vais me tourner vers le ministre qui est encore avec nous. Merci de votre patience, M. le ministre. Je vais balancer la question tout de suite. Selon vous, est-ce que la presse haïtienne a les moyens nécessaires pour faire son travail? Et alors, il ne faut pas oublier que Jacques vient d'arriver, donc je le salue. Jacques Semper, un aîné. Pas qu'il est plus grand que moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs, oui. Mais c'est un aîné au sens où à la radio, je l'écoutais et je vous l'ai dit tantôt, il me formait. Il me forme encore par sa voix. Il ne faut pas oublier que Jacques Semper et une certaine presse, c'est une école de voix. Ouais. Ouais. Et puis, c'était aussi une école de diction. Ce qui se perd, il a ce jour. Exactement. Alors, je suis là pour vous rappeler qu'on est là pour commémorer le 3 mai. Et que le 3 mai, pendant ce jour, les gouvernements ont une responsabilité de réaffirmer leur engagement à protéger la presse, à protéger la liberté de la presse. Et donc, en tant que ministre, cette fois, je n'aime pas trop parler comme ministre, comme je vous ai dit tantôt, parce que je préfère être un ministre de l'écoute. Si on pouvait créer un ministère pour moi, un ministère de l'écoute, ça aurait été mieux pour moi, très franchement. Parce qu'il y a aujourd'hui un chaos de la communication, tout le monde parle. Et parfois quand on parle, on se dit, est-ce qu'on est écouté? Est-ce que ce qu'on dit, ça passe dans le magma, dans ce marasme de la communication? C'est à la fois une richesse de la presse, tous ces médias nouveaux, depuis 2004 d'ailleurs, et cette profusion au niveau des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, c'est un espace extraordinaire. Mais je vous rappelle, et ça je prends la responsabilité de vous dire qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas d'atteinte politique à la liberté de la presse. Il n'y a pas d'attaque politique. Il n'y a pas d'ordre. Hein? Il n'y a pas le ministre de la Communication, le ministre de l'Intérieur, le ministre de, je ne sais pas, personne n'a reçu d'ordre pour attaquer la presse. C'est pour ça que j'ai insisté l'autre jour pour dire que la presse, pour ce gouvernement, est libre.
Ok, mais maintenant, les chiffres parlent, monsieur le ministre. On était 62 en 2019 et on est tombé à 83 en 2020 en termes de rapport sur la liberté de la presse. C'est quelque chose qui pourrait expliquer ça? C'est tout autre chose, c'est tout autre chose. J'étais en train de vous le dire tantôt. Et la question était claire. Est-ce que la presse a les conditions qu'il faut pour travailler aujourd'hui? Réponse est non. Il ne faut pas de langue de bois dans ce genre de... Je suis de la presse d'ailleurs. Je suis beaucoup plus de la presse que du gouvernement, parce que je suis pratiquement né de la presse. À 19 ans, je suis dans la presse, je suis au Nouvelliste. Et j'en ai 56 aujourd'hui. C'est pour vous dire que les conditions de fonctionnement de la presse sont presque inacceptables. Mais il y a une question à laquelle j'ai évité de répondre tout à l'heure. J'ai brossé. Quand on est au gouvernement et qu'on est au Conseil des ministres, on se dit, mais comment travailler avec la presse? Comment approcher la presse? Comment une aide matérielle? Il n'y a pas que la question de la sécurité dans l'évaluation des conditions de travail. C'est un ensemble. C'est la formation des journalistes. C'est les conditions dans lesquelles vous avez toutes les radios et les télévisions. C'est le côté professionnel. C'est effectivement la liberté de l'information, l'accès à l'information. Et pour nous, aujourd'hui, on est ouvert. Hein? Il y a beaucoup de conditions qui sont réunies à notre niveau pour que la presse soit libre. Mais pour moi, c'est plus que ça. Un journaliste qui travaille dans les conditions qu'on sait aujourd'hui, hein, conditions précaires, matérielles, et même parfois conditions intellectuelles, vous savez, c'est pas seulement, pour moi, à mon sens, c'est pas seulement la question de la sécurité, c'est plus que ça. Mais je voulais aussi vous rappeler à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices que la presse, pour moi, est un pouvoir au sens où et aux origines de la presse était c'est une affaire d'élite. Et je n'ai pas peur de dire ce mot. Je suis fier d'une presse d'élite. Je suis fier d'une presse qui forme. Et je vous rappelle que la presse, à l'origine, est d'abord une presse écrite. Hein? Historiquement, c'est une presse écrite. D'ailleurs, qui est née à la Renaissance, il n'y a pas de presse écrite sans la découverte de l'imprimerie. De Gutenberg. Hein, nous sommes à la fin du Moyen-Âge et la Renaissance nous donne les premières gazettes. Pas vrai? Et entre la Renaissance et le 19e siècle, et la fin du 19e siècle, vous avez eu la radio, la naissance de la radio, le début du 20e siècle, la radio et la télévision, vous avez une presse écrite. Pour moi, une presse écrite, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est l'essence de la presse, c'est le summum, c'est l'élite de la presse. C'était Stendhal. C'est Stendhal la presse. Vous connaissez Stendhal, Henri Bell de Stendhal, Le Rouge et le Noir. C'est les écrivains, c'est Hugo, c'est Flaubert, c'est Zola. Hein? Zola, c'est J'accuse. Donc la grande presse, la presse telle que nous l'avons aujourd'hui, et même en Haïti, ça a été d'abord une affaire d'élite, une affaire d'esprit. Hein? Donc aujourd'hui, nous avons une sorte de démocratisation de la presse qui passe justement par les canaux audiovisuels. La radio permet à tout le monde d'avoir accès, un peu moins ceux qui écrivent. La télévision ouvre, et puis les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment, j'allais dire n'importe qui, mais... On peut dire n'importe qui, ça veut dire que tout le monde de chez soi, de sa chambre, peut être journaliste. Vous avez parlé de presse écrite, justement, je pense que c'est là que je fais transition avec M. Sampeur. Jodi, nous presque gagnons seulement deux quotidiens, si nous gardons comme ça, c'est le Nouvelliste et le National. Et dans la période pas où, nous gagnons en bonne, Jacques Sampeur, dans la période pas où, dans la période avant dictature, nous gagnons des journaux écrits qui étaient à essayer de faire un message au passé, même si tu as une grosse menace. Ça te a expliqué que pendant que nous sommes en démocratie, et puis brusquement, ou pas qu'un journal écrit encore, il y a disparu. Comment tu as expliqué ça? Il faut que j'arrête ça. Non, époque pas. Non, je suis à cheval sur... Vous l'avez dit, sur plusieurs générations. Vous devez rectifier justement. Nous avons parlé avant et 86. Il y a une chose qui est arrivée. La liberté de la presse, ce sont des bagages qui sont importants. Et grande question de perception, grande question d'état, d'état d'âme, grande question de climat. Et ce qui est arrivé aujourd'hui en Haïti ne permet pas d'avoir une liberté de la presse. Parce que vous gagnez tellement de volets d'insécurité qui fait que vous-même qui dans la presse, vous pensez que vous n'êtes pas à l'abri. Vous voyez, j'ai entendu le ministre qui a dit qu'il n'y a pas eu d'ordre formel contre la liberté de la presse, des choses comme ça. Mais je sais que je parle à un pourvu. Vous voyez, il le sait. Parfois, l'ordre n'est pas prononcé, mais ce sont les actes qui sont posés.
quand on voit par exemple le comportement de certains policiers envers la presse, envers les médias, envers les véhicules, avec le stampille, le média, des choses comme ça, tout le reste, c'est un mépris de cette profession, parce que en général, même dans les entraînements, on apprend aux policiers et comment se comporter envers la presse. Vous voyez, d'où quand on voit que la police se comporte d'une façon agressive envers la presse, automatiquement, même quand l'ordre ne vient pas d'en haut, on pense que c'est le gouvernement. Ouais. Vous voyez tout ça. Guémaré, qui t'a je vous ai reproché, mais justement, on a tourné sur question journal, là. Écoutez, vous savez qu'il y a une dégradation. La dégradation, c'est que le ministre a parlé de profession éthique, moi je le pense aussi, cérébralement, pour informer les gens, il faut former. Nous okay. m'avons donné à qui passer, je ne vais aller tendre au monde pour nous son barail mal dans la ria, pour me prendre comme créole, comme néologie, me dire que je dire tout, il faut me dire bien qu'il y a un deal. Par exemple, je vais dire lacrymogène, autour de lacrymogène, parce que je dis comme ça que c'est parce que mon a mal comprendre qu'il fait le dire lacrymogène. De même, ça. Okay. Maintenant, la presse aujourd'hui, entre la presse hier et je vous dis, je ne sais pas cacher des roues, on est capable de dire comme ça que gagner une sorte de recul. Parce que c'était plus édition de journaux, en fait, avant, ou pas gagné, qu'on aurait dû à le Nouvelliste avec le National, et qui va paraître en dur, parce qu'on m'apprend ça, et tout ça, d'où va gagner deux quotidiens, et c'était des côtés qu'on était chargé avec quotidien, et qui osait, parce que il y avait des crieurs. Vous savez, comme en France, il y avait des crieurs en Haïti. Ou explication, c'est économique, c'est quoi? C'est ça qu'a expliqué. Donc vous savez que c'est un tout. Hein. C'est un tout. Il y a aussi le matériel humain, le bagage intellectuel, pour capable de gagner, des gens qui peuvent écrire bien, des gens qui peuvent parler bien. Je ne vais pas parler de français, non. On parle que ce soit créole, que ce soit. Il faut que y ait un aspect didactique dans sa titulaire Abdia, il faut apprendre nos bagages, même si vous voyez la voix. Actuellement, il y a des émissions que vous entendez dans la radio, on compte content. C'est une blague pendant ce que vous apprenez en les écoutant des bagages comme ça. Pourtant, je ne me suis pas compte que la presse a démocratisé. Je ne me suis pas compte que tout le monde a bien accès au fait de grands médias, et sur les médias sociaux. Mais il faut qu'il y ait un sens de responsabilité. Tout en disant que la presse a besoin de protection, la presse a besoin de se sentir protégée par l'État. Parce qu'on a l'impression que l'État se croise les bras. Les réseaux sociaux, c'est une menace aujourd'hui. Et c'est comme ça, ma fait transition avec Gadson Pierre qui parle avec nous. Merci, monsieur le ministre. Merci, docteur Gao. Merci, Jacques. Et c'était pour conclure et dire que l'État ne se croise pas les bras. Jacques, l'État est à votre écoute. L'État a souvent du mal à se dire, mais qu'est-ce que veut, par exemple, le journaliste? Que veut ce pouvoir que nous regardons parfois de haut, parce que vous êtes beaucoup plus puissant que l'État, Jacques Sempeur. Hein? Et je ne vais pas trop élaborer sur ça, mais il y a tellement de confiance en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous faites. Le micro, ce que vous avez là, c'est un pouvoir redoutable. Et vous l'avez vu, hélas, aujourd'hui nous avons beaucoup plus de médias, mais nous avons une crise d'éducation qui est encore plus grave. Question à approfondir. Merci monsieur le ministre. Merci Gao, merci à tous vos auditeurs. Aujourd'hui, on parle de fonctionnement de la presse dans un contexte difficile. En 2018, Vladimir le Gagneur a disparu alors qu'il était en reportage. Les journalistes ont été assassinés. C'est dans ce contexte qu'on célèbre la journée mondiale de la presse ce 3 mai. Évidemment, la question pourrait être portée sur les conditions de travail, mais on parle aussi d'avancer, de ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est face aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une menace ou c'est des avancées? Comment Gadson Pierre pourrait intervenir en ce sens? Nous sommes ravis de vous avoir. Si je dis à les réseaux sociaux, mais avant de gagner Alter Press, on t'a dit que c'est pionnier dans la question média en ligne. On va commencer avec ça, avant Gadson Pierre. L'autre est lancé comme ça. À qui sort ou t'as pas tant nous?
Bon, en fait, nous t'es souhaité explorer les ressources qui t'es gagné. Internet l'a fait apparaître en Haïti, certainement, et nous t'es la donne comme des voies de l'avenir. Donc, pourquoi pas? Et nous t'es, à l'époque, essayé prendre une initiative qui t'es paraître audacieuse, mais très vite, nous t'es rendu compte que c'était un média du moment, dans le sens où lorsque nous fait expérience ça, en France, il peut qu'on ait un média peu player. Oui, 89 vini après Alter Press. Bon, parce que il faut que nous saluer et l'autre monde qui était prêt à l'initiative là, HPN, c'est la même époque. AHP, c'est un peu l'ancêtre tout. Mais ça pour nous préciser, c'est que nous pensons que nous étions à jour sur les technologies qui étaient disponibles à l'époque. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas seulement Internet. Le Alter Press fait créer, nous utilisons un pile fax tout. Et donc, parce que fax, t'as utilisé à l'époque, c'est peut-être t'es un peu sur la fin de fax, qui lui-même tout fait une révolution dans les années 90 en Haïti, et peut-être sans fax, pas t'as gagné un retour à l'ordre démocratique en 94. Ouais. Donc, c'était un élément extrêmement important. Donc, nous-mêmes, nous t'ai combiné tout ça. Mais en même temps, tout, nous t'ai connaît que nous vivons dans un contexte qui sont un contexte côté audio a dominé en pile. L'histoire des Haïtiens avec la radio, c'est un bagage extraordinaire et qui vient de très loin. Et un attachement haïtien à la radio. Donc nous-mêmes, nous t'es approché question dès le début, tant qu'on expérience multimédia. Yeah. Cela veut dire que ce n'est pas une agence en ligne qui l'a pour faire l'information écrite seulement, mais c'est un espace, puisque justement, nous assister à une révolution qui fait que toutes médias viennent croiser et nous, elles, au fur et à mesure que radio vient écrit, que télévision vient faire radio, que etc. Donc, enfin, tout bas est mélangé et nous aller de plus en plus vers un contexte de communication totalement croisé, mélangé, multimédia, mixed média. Donc, nous-mêmes, c'est ça que nous t'es ouais dans l'avenir et nous t'es dit que donc on base de médias de internet qui permettent nous faire ça ne dirait même fait tout puisque bon moi-même je viens de la radio depuis 81 donc je me dis mais pourquoi pas donc c'est peut-être la possibilité de faire autrement mais maintenant l'autre bagage qui était important analyse que nous avons fait c'était que les médias pas répondent l'ensemble des besoins d'information ou de communication au sens du droit à la communication. C'est-à-dire que c'est vrai, on a liberté d'expression, gagne la question de l'accès aux sources, mais gagne la question tout de valoriser les sources. Mm-hmm. Et nous te rendons compte qu'en pile l'acteur social, il n'y a pas de accès. Enfin, t'as qu'à dire autonome aux médias pour expliquer, pour rendre compte de l'initiative, etc. Donc, nous avons pensé qu'il fallait que nous insistions sur ça, sur l'aspect social, non seulement les problématiques sociales, mais les acteurs sociaux, et faire en sorte que donc nous essayions de compléter, nous essayions de porter un plus, qui vient faire que donc le ou gadil ou capable et gagner l'idée de la réalité telle qu'elle est, et nous venons bien contents après pour nous voir que le social vient prendre au fur et à mesure de plus en plus de place dans les médias. Nous t'es le temps, il y a des gens qui emboîtent le pas, et je dis justement au Dili, et tout média essayé multimédia, lit écrit, lit gain site, lit gain audio et vidéo qui est disponible, travail la fête non sens. Maintenant, comment ou est exploitation? Est-ce que vous estimez ça qui vient après, vous exploitez assez? Ou même pas plus loin, est-ce que vous exploitez bien? En fait, je pense que je dis, il faut parler d'un contexte médiatique global. Il y en a donné les médias Internet, mais c'est l'ensemble des médias. Sur les 10-20 dernières années, nous avons une explosion de médias, passé à peu près de 9 télévisions à plus d'une centaine. Je dis, nous passons de on est 15, 20, 30, 40, 50 stations de radio à 700, je dis, c'est en pile.
Et bon, gen kap viv, gen ki pa prete, yon ap kopye lot, etc. Bon, enfin. Donc, ou vin yon situation kote, ou gen yon explosion de médias, mais la qualité ne suit pas, nécessairement. Or, justement, la qualité de l'information, c'est un enjeu. Pourquoi parler de liberté de la presse si l'information n'est pas de qualité? Donc, c'est une question pour nous qui est essentielle. Et nous pensons que, justement, et Jean, médias fait, je vous dis, en Haïti, et ce n'est pas Haïti seulement. Tendance, non, son tendance que on bande dérive qui a empêché que le travail a fait correctement, ou gagné des dérives par rapport à l'éthique, ou gagné tout, enfin, inventer les gens pour faire émission parfois qui ne correspondent à des gens connus. C'est vrai que le monde a inventé, mais les repères professionnels, ils sont toujours là. Et donc voilà, nous avons une situation côté effectivement le produit médiatique. L'information qui est disponible ne correspond pas toujours aux besoins du public. Donc, besoin du public, là, pour nous, c'est un bagage qui est capital, parce que pourquoi informer si le citoyen ou bien si la citoyenne, à partir de l'information qu'il ou elle ou soi, puisse prendre les décisions qu'il faut. Donc, des décisions pour sa vie personnelle, des décisions pour sa communauté, des décisions pour le pays. Donc c'est ça qui fait que l'information, c'est un enjeu qui est capital, parce que justement, sans une information qui est correcte, sans une bonne information, eh bien le citoyen, il est démuni, il manque des outils pour comprendre la réalité, pour être capable de faire face à défis qui gagnent et qui est énorme. Et c'est peut-être ça, le nous dit qualité de l'information, hein, c'est un bagage qui est essentiel. Donc la presse telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est un danger pour la liberté de la presse, si je peux résumer ce dialogue. Bon, je ne pas voulu aller jusqu'à dire comme ça, mais je pense que il y a un pile effort qui pour faire en sorte que nous capables de profiter véritablement des outils SAO, qui sont des outils puissants, et qui permettent que nous capables de contribuer au développement de notre société. Hein. Donc, c'est là l'enjeu. Et bien sûr, j'en pose des questions, hein, c'est apprendre ou à laisser, est-ce que c'est un danger ou pas. Mais c'est vrai qu'un couteau qui a blessé le monde, c'est vrai qu'on a fait des gars avec une manchette, même gens capables de planter avec elle, ou qu'on a nettoyé jadon avec elle, mais on a fait des gars. Voilà. Jacques Semper, il m'a dit, il y a cheval sur plusieurs générations, mais l'autre a commencé, l'autre a ouvert, par exemple, il a initié Libre Tribune, pas de réseaux sociaux. Je dis, il est arrivé sur où, on a fait face à elle, moi je regarde comment on est. Ça lié pour moi. Quand on fait les tribunes, il y avait des gardes fous quand même, on dit les, qui étaient retardés voire de 6 secondes pour que au Sénat, ce n'était pas passé. Et pour que n'importe quoi pas sorti, parce qu'on fait son bagaille qui est normal pour respecter l'auditeur. Et mon capitaine dit, et tout ça. Mais Baba dit comme ça que, comme appréhension, on parlait de est-ce que les réseaux sociaux ont une menace pour la liberté de la presse. Ma pédo, non, au contraire. Et ça dépend de gens qui servent avec lui. Les réseaux sociaux, par exemple, et Golson de Galter Presse, lui était gagné, il était structuré, puisque Golson sorti d'abord dans la presse traditionnelle là pour le venir dans les réseaux sociaux. Kounien, monsieur sorti, monsieur était dans les réseaux sociaux et le tourner. Sous presse on clair là. Ce qui signifie que qu'on a nécessité pour quand même sur les zones claires. Maintenant, tout dépend du contenu. Vous voyez, c'est une arme à double tranchant. A dit qu'on est capable de faire pile bon bagaille avec la presse, avec les médias, qu'on s'est donc à détourner avec les médias. Vous voyez, tout ça, d'où il faut penser à cela. Donc la presse a une responsabilité pour qu'on quitte la agit face à les réseaux sociaux. Tout, tant qu'on gagne un pays, surtout, qui a dégradé sur le plan de capable d'éducation, sur le plan respect, mon alot, des bagages comme ça, et plus on gagne un presse qui est responsable, qui pour éduquer le monde, je ne parle pas de l'éducation, où elle parlait là, d'une façon traditionnelle, dire que moi, monter nous parler. Ben non, je parle à travers les émissions, même des émissions pour faire rire,
vous devez avoir de cette émission un caractère didactique. Il faut que nous nous sentions, que nous parlions, nous apprenions nos bagailles. Parce que moi, les gens, je pense que c'est ce qui est arrivé à Godson Père également. Laissez-moi appeler au débat. Vous dire, Jacques, qu'est-ce qu'on dit? C'est le téléphone ou la téléphone? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que l'Amérique du Sud est débat comme ça? Même en dehors du microphone, parce que je pensais que, pour capable, on titulaire nos microphones radio, faut qu'on nous bagaille, faut qu'on bagage des bagages comme ça. Tout à fait. Moi, je pense que, qu'il faut recouvrer cet aspect-là. On doit recouvrer, parce que cet aspect existait avant. Voilà. Jacques Saint-Pierre est président de la NMH, et Godson Pierre est propriétaire de médias, notamment Alter Press, qui, nous soit dit, c'est pionnier, une des pionniers, c'est un gazelle comme ça, qui était lancé radio sur son Internet. Jeudi, nous soit garder ça avec Jacques Saint-Pierre, ou non. Presse écrite tout, puisque nous avons un article que nous postons sur le site nous et tout ça. Mais nous avons parlé de journal qui sorti en dur, que nous avons gagné bon, ici et cap disparaître. Bah, on est sur côté, on regarde sur ça. Ça, ça d'où est-ce que nous avons dit c'est en conséquence de gens nous exploiter nouvelle technologie qui fait désormais n'a quitté dur là pour aller vers le numérique. Comment on voit d'abord en précision, le n'a pas les deux réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est un espace très large, côté en pile acteurs a intervenu. Le fait qu'on média soit Internet, ça ne veut pas dire que le sous réseaux sociaux. Des médias Internet qui existaient en dehors des réseaux sociaux. Maintenant, il y a des médias tout, enfin, de plus en plus, et vous pensez qu'en général, tous les médias qui respectent les têtes, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est une chose, les médias Internet, c'est. On va dire que c'est les sites de connexion, les sites qui permettent à tout le monde d'interagir. Voilà. C'est des plateformes justement qui permettent une interaction à grande vitesse. Et en temps réel, voilà, tel que Facebook, Twitter et même etc. YouTube, etc. Maintenant, sur les journaux, c'est une tendance qui n'est pas une tendance haïtienne. Les journaux ont beaucoup de difficultés à exister et ici, mais beaucoup plus ailleurs. Ici, c'est vrai que c'est un mouvement que l'on a observé depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, enfin depuis très longtemps. Et moi-même, je suis content de dire que chaque région dans le pays a des journalistes, au Cap, des journalistes, etc. Moi-même, je suis arrivé dans le métier au début des années 80, en 81, moi, j'ai le matin, j'ai le nouveliste, j'ai un journal qui était le Panorama, qui était sorti, enfin. Mais déjà, là, nous étions en recul par rapport à ça qui existait avant. Je pensais qu'un élément qui est important, c'est justement la situation économique. Et peut-être que le modèle qui gagne pas arrivé vive. Et il faut dire que les médias privés, en général, il faut que y ait un modèle qui articulé avec justement le privé. Est-ce que ici, Jodia, et ça nous gagne comme contexte économique, lui permettre qu'effectivement on fait vivre des médias et surtout papier. Et en plus, le monde d'ailleurs a demandé comment quantité radio qui existait ou vive, et enfin en tant que radio privée. Donc, nous l'avons un défi comme ça. Mais ça que nous oubliez tout parfois, c'est que une série de contextes, et même des contextes où tu as pensé qui sont très avancés, je prends des exemples comme le Canada, la France, et, enfin, qui représentaient, entre guillemets, une sorte d'idéal démocratique pour un pile monde, ils ont financé les médias. Ils ont un système étatique qui permet que vous supportez les médias. Et moi-même, j'ai une expérience même des radios en Martinique, qui sont des radios indépendantistes, joignent financement d'État en France, pour exister. Les faits sous forme de droit, c'est en faveur. Exactement, bien sûr. Ce n'est pas un bagage qui fait en battable. C'est ça qu'on me parlait, le financement d'État, le financement public qui passait par le Parlement et tout le monde connaît. Et ça n'a pas fait que médias a une redevance vis-à-vis de pouvoir en place. Parce que ce n'est pas une question de pouvoir en place. C'est donc un système étatique et enfin étatique public et tout citoyen informé et bagayo yo sorti publiquement tout le monde connaît que Libération recevoir tant montant que le monde diplomatique recevoir tant montant que enfin divers médias donc voilà
Maintenant, même là, où il y a des médias qui ont en pile difficulté, c'est certain que nous en face d'un modèle qui est un peu rivé la boutli et qui besoin régénérer, qui besoin repenser. Et un bon média qui a pensé, le New York Times, il a changé en pile pendant l'année passée, ou prend Le Monde en France, ou prend The Guardian en Angleterre, enfin. Donc, média, il a cherché et comment pour y exister. Le problème, nous, en Haïti, c'est que nous avons une crise économique sous longue durée. Ça fait des années, nous avons une crise économique terrible. Et par personne monde qui est sorti, qui est qui côté nous aller. Et donc, les médias vivent au jour le jour. Et ce n'est pas les médias seulement qui souffrent, c'est les gens qui travaillent dans les médias autour. C'est les gens qui investissent dans les médias, les gens qui travaillent dans les médias, mais en fait, qui assurent sur son carrière. Et c'est ça qui explique tout, que ouais, rotation, que ouais, dans le monde médiatique. Là. Je veux dire, c'est des problèmes énormes. Et tout ça, dans une certaine mesure, affecte la liberté de la presse. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire que leur parler de liberté de la presse, c'est un concept lié, c'est pas pour rien qu'on ouais, nous perdu 20 places. Là, parce que en fait, il y a tout problème de sécurité des journalistes, il y a tout problème mauvais signal que tenant du pouvoir, vous voyez, en général, l'État, tout, dans le sens où pas jamais il y a aucun cas de, d'agression contre les journalistes qui, d'accord, du côté, ils poursuivent. Et achevé dossier. Dans le cas de Jean-Dominique, inachevé. Et Vladimir le Gagneur, nous par contre, et Néhémie Joseph l'autre jour. Voilà, donc il y a des cas comme ça qui ont multiplié et qui font un signal terrible qui dit que ou pas qu'à ouvrir bouche ou parler. Sous parler, ça crive, c'est pas haut. Monsieur, dernière question pour terminer. M'en vais garder le futur là avec nous ensemble, rapidement, Jacques Sampeur. Qui ça dans le domaine pas nous, nous-mêmes nos cafés pour assurer un meilleur demain. Amitié ça, en termes de, ça n'a pas dit, liberté la presse. Rapidement. Bon, vous savez que concrètement, et on a les mains et les pieds liés. Et cependant, nos pensées, malgré vent et marée, il faut que nous arrivions à un code d'éthique, à un code de déontologie. Il faut que nous font plaidoyer pour que le contenu soit capable de quimber et pour nous attendre et tout ça. Il faut que on bagaille tout qui veut. Et je suis pour la démocratisation de la presse et dans toute bagaille, mais il faut que chaque monde respecte le métier. C'est-à-dire qu'un docteur, c'est un docteur, un avocat, c'est un avocat, un journaliste, c'est un journaliste. Et vous n'allez ça pour le journaliste, il gagne, c'est une certaine formation pour le gagner, il a un certain background pour le gagner. Et on l'a fait un cours avec les journalistes, avec les étudiants, et puis me dit comme ça que, est-ce qu'on n'aime pas quoi dans l'école de journalisme? Je saisis que je ne suis pas dans l'école de journalistes tout court. Parce que je me dis que Baba Walters, qui sont journalistes, pas directement dans l'école de journalistes. Mais c'est background, nous, c'est soit apprendre, c'est soit lire. Formation, qui fait formation, qui faut qu'on bon journaliste, c'est bien comme ça. Ou qu'on va apprendre écrit, plus ou moins, mais qui offre un lancement. Mais cependant, je ne suis pas croire que obligé de passer dans l'école de journalisme pour journaliste. Mais, ou besoin plus que juste en formation en journaliste. Justement. Écoute, je pense qu'il faut qu'on bagarre. Il faut qu'on bagarre. On n'est pas capable de dire qu'on va informer le monde, ou va former le monde, c'est qu'on même ou pas informé, c'est qu'on même ou pas formé. Voilà. Ça, c'est le bail pour nous. Gatson, même question pour vous. Comment on regarde le futur là, qui sont pensés nous faire au niveau pas nous, justement, et pour nous assurer un meilleur demain à métier ça. Je pense que présent conditionné futur là. Et tout à l'heure, on a parlé de liberté de la presse du point de vue général, au-delà de pression qui est faite de la part des pouvoirs, en particulier le pouvoir politique, gagnant tout, et tu as parlé de contexte économique là, toute une série de secteurs d'influence qui justement conditionnaient l'exercice métier et qui mettaient en péril la liberté de la presse. Là. Maintenant, et constatez tout que une bonne dérive qui a fait et malheureusement et il a fait malgré que nous avons un code d'éthique parce que là code d'éthique là il existait et il existait depuis un bon nombre d'années maintenant signé par des associations aussi bien de médias que de journalistes et pourtant
pas un respect de l'éthique. Donc, c'est pas qu'on est que pas qu'on ait notion d'éthique là en Haïti, pour, mais yo passé sous lit. Violer, voilà. Exactement. Donc, et peut-être que ça, c'est un dossier, c'est un chantier pour nous travailler sous lit. Maintenant, là, en fait, nous besoin tout que ou sous humaniaux mieux préparés pour faire travail là. Et puis, nous besoin que société à lui-même les conscientiser par rapport à la question de la liberté de la presse. Parce que moi-même, toujours, je me dis ça, que la liberté de la presse ne concerne pas uniquement les journalistes. La liberté de la presse d'expression, le droit à la communication, c'est la société qui souffrit de ça, le bail ça, pas, et le pas respecté. Donc, dans ce sens, ça, être citoyen, être citoyenne, vivre en société, c'est aussi être conscient de la nécessité d'avoir une bonne information, de pouvoir s'exprimer, de faire part de son opinion, etc. D'où donc, le fait que question liberté de la presse, là, l'y concerne les citoyens. Donc, pour un avenir qui est différent, il faut que les citoyens eux-mêmes tout prennent responsabilité, pas céder à la facilité. C'est vrai que nous gagnons information en temps réel qui a circulé lorsqu'il y a l'information sur les réseaux sociaux. Je dis, nous gagnons à peu près 35% des Haïtiens qui connectés sur Internet. Nous comprenons bien pour qui raison que Internet a une présent pour ça. Donc, là, nous pourrons arriver, le mouvement côté, nous avons la moitié. Un peu plus de la moitié, et beaucoup plus que la moitié, tant qu'en République dominicaine, c'est certain que Internet local est très présent. Donc, bon travail qui pour faire pour préparer à ça. Et c'est pour ça donc que la question de l'éducation aux médias, c'est un enjeu extrêmement important. Je dis, depuis l'école, dans tout espace associatif, dans tout espace que nous avons fréquenté, il faut avoir conscience de qui ça qui relève Internet, de puissance et moyens ça, et qui ça est capable de faire dans la société. Donc, il faut que la conscientisation de la société qui fait, à travers les médias certainement, mais tout, dans tout espace de socialisation, côté nouillé, pour nous connaître phénomène médiatique, là, je vous dis, à, voilà. Qui ça le représente. Merci Gatson Pierre, merci Jacques Semper et merci au ministre de la Communication, Padane Henriques, mais aussi à la représentante à l'émission, bien sûr, de la délégation de l'Union européenne, Marvlise Roy, qui était avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que ce 3 mai, il y a donc la fin de ce concours, le concours, premier concours de photojournalisme réalisé en collaboration avec le collectif K2D. Les résultats, c'est pour ce 3 mai, mais aussi il y a une exposition à l'Institut français de toutes les photos qui ont été retenues, qui seront exposées à l'Institut français durant les jours à venir. Merci de passer visiter. C'est le premier concours. Il peut en avoir d'autres si vous encouragez l'initiative. Eh bien bon, c'est la fin de ce 6e rendez-vous. Tado Agora, Chita Palais, Soudamoun, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous rapidement pour l'autre édition. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.